Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne RPG. Je pense que vous aurez reconnu le décor. Voilà, c'est la partie numéro 2 de l'aménagement de la gaming room. Donc la partie la plus intéressante, c'est-à-dire que je vais tout simplement mettre des petites cales sur toute la hauteur au centre des planches pour pouvoir un peu consolider, pour éviter que les planches s'affaissent avec le poids des jeux. Et ensuite, on va faire le rangement. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie de l'aménagement de la gaming room, à savoir le rangement, le montage des planches, ça se passe ici avec la partie 1. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, je tenais à vous remercier parce que cette vidéo a reçu un très très bon accueil avec beaucoup de commentaires de soutien, donc merci à vous. Donc sans plus tarder, on se met au turbin. Allez, c'est parti, comme dirait un grand philosophe français, le rangement c'est maintenant.
Bon bah je pense que j'ai bien travaillé. Je suis assez content de moi. En fait je pensais pas que ma collection était aussi petite, on va dire, parce que j'ai surestimé les jeux PS2 par exemple. J'avais laissé beaucoup plus d'étagères que prévu, donc c'est bien, j'ai pu mettre un petit peu de jeux rétro, ça permettra de libérer la vitrine. Maintenant mon petit souci qui se pose, c'est que j'ai oublié les jeux PSP. Donc je pense que je modifierai un petit peu l'organisation de ce rangement. Je pense que je vais virer tous les jeux en boîte Super NES 64 pour les mettre dans la vitrine et mettre les jeux PSP sur les étagères, voilà. Bon, c'est pareil, je pense pour là-haut, à mon avis, les pops n'ont rien à faire là-haut. Je pense que je mettrai des packs collector ou un truc comme ça, un truc plus volumineux. Et en bas, malheureusement, toutes les consoles en boîte ne rentrent pas. La PS3, PS4, ça rentre pas, donc je pense que ça restera dans le fouillis là-dedans. Mais franchement, je suis super content, ça rend vachement bien. Je me recule un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on y voit beaucoup plus clair. En plus, j'ai retrouvé des jeux en double que je pensais pas qu'ils étaient en double. Bon, c'est pas très français, mais on s'est compris. Mais c'est bien, comme ça évitera que j'achète deux fois le même jeu. Bon, j'ai mis en évidence quelques jeux, ça fait un peu de place derrière parce que en PS1 par exemple, tout rentre pas, c'est un peu chiant, j'ai un peu de jeux ici qui prennent de la place sur les PS4. Bon, c'est amené à évoluer, mais pour un premier jet, je suis assez content de moi, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je ferai une vidéo pour le rangement de ça. Parce qu'il faudrait que je mette la petite vitrine dans le coin là, à la place des cartons. Et que je trie toutes mes consoles en loose. Et notamment celles qui marchent et celles qui ne marchent pas. Bon. Voilà. C'est terminé pour le rangement de cette partie de mur de la gaming room. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne RPG. Ciao ciao. Au revoir.